Des fourmis électriques ont été détectées pour la première fois en France. Originaire d'Amérique du Sud, cette espèce doit son nom à sa piqûre qui ressemble à une piqûre d'ortie, mais en plus intense et plus longue puisqu'elle peut durer entre 2 et 3 heures. L'espèce représente surtout un danger pour la biodiversité car son poison tue les insectes et blesse les animaux domestiques. Grande d'à peine 1,5 mm, la fourmi électrique a été détectée à Toulon. En fait, elle est probablement arrivée en France lors d'un transport de plantes. Jusqu'à présent, cet insecte n'avait été observé qu'une seule fois en Europe, dans la région de Malaga, en Espagne. Selon l'inventaire national du patrimoine naturel, il s'agit de l'une des trois fourmis les plus envahissantes du monde. Elle fait d'ailleurs partie de la liste des espèces préoccupantes pour l'Union européenne. Un plan d'éradication, à l'image de celui du moustique tigre, doit maintenant être mis en place par les autorités.